ouvrages en terre armée ont été utilisés dans de nombreux projets ferroviaires de par le monde. Les lignes à grande vitesse sont des infrastructures très sensibles aux déformations et nous avons pu démontrer que la terre armée, en particulier avec l'emploi d'armatures métalliques inextensibles, permet de répondre aux critères très sévères de déformation lors du passage des trains. Nous avons été amenés à démontrer que la terre armée répond aux exigences particulières de ces lignes à grande vitesse. Donc, ces exigences portent sur la durabilité, la fiabilité, la déformabilité sous passage des trains et le comportement sous une sollicitation dynamique. Nous remercions nos clients, COSEA, le concessionnaire LISEA, RFF et Certifer pour leur confiance. Le groupe Terre Armée est prêt à relever de nouveaux défis. L'intérêt des solutions terre armée pour les projets ferroviaires est fondamentalement la même que pour les projets routiers, mais augmenté par les contraintes ferroviaires. Donc on peut résumer ces intérêts en trois points: les intérêts de méthode de construction, l'intérêt du comportement sismique des structures et puis un intérêt plus géotechnique. Donc fondamentalement, d'un point de vue méthode de construction, la solution est intéressante parce qu'on construit les structures depuis la plateforme en remblai. Sans coffrage lourd, donc ce qui implique qu'on va pouvoir monter des ouvrages en hauteur sans contrainte majeure, ce qui est intéressant lorsqu'on a affaire à des gabarits ferroviaires avec des ouvrages qui sont souvent de plus de 10 mètres de hauteur. Et puis aussi c'est très intéressant lorsqu'on a besoin de construire des ouvrages le long des voies circulées, puisqu'on a très peu d'interférences et on n'a donc pas besoin de mettre en place des écrans de protection lourde. D'un point de vue sismique, on a une structure qui se comporte fondamentalement très bien et donc on a très peu de surdimensionnement, contrairement à une structure rigide. Et puis enfin, d'un point de vue géotechnique, on a des structures qui sont capables de s'adapter au sol médiocre, avec notamment un mode de construction qui va amener une consolidation au fur et à mesure de la construction de l'ouvrage. Et puis pour les cas les plus critiques, une possibilité d'association de la technique terre armée avec des solutions de renforcement de sol, qui sont beaucoup plus optimisées que les solutions de fondation profonde propres aux structures rigides. Et donc tous ces éléments amènent au final de très fortes optimisations en termes de conditions de mise en œuvre et bien entendu en termes de